tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tag numéro 3 du défi de Sylvie. Donc le tag numéro 3, c'est le thème de Pâques. Donc on va faire un petit tag sur le thème de Pâques. Moi, j'ai déjà préparé mon tag. Donc, vous le savez, je prends les tags d'action comme Sylvie qui mesure 7 sur, on va dire, 15. 7 sur 15. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un fond avec des Distress Oxide et un pochoir avec de la pâte de structure. Et ensuite, j'ai pris un morceau de papier de ce bloc. Hugo, prends-le. Moi, je te dis que si, de ce bloc-là. Et j'ai mis un bout ici. Alors, je vais vous dire, en vrai, je voulais faire un fond comme ça avec le papier entier. Sauf que déjà, je l'ai collé à l'envers. Et que en plus, en fait, non, ça n'aurait pas fait trop charger parce que le chargé était en haut. J'aurais pu mettre la déco en bas, c'était moins chargé. Mais bon, je l'ai collé à l'envers. Donc, je l'ai quand même laissé là. Et j'ai fait mon fond de l'autre côté. Donc, ça, je vous ai montré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite le trou-trou pour l'œillet. Comme ça, c'est fait. Bon, on est dimanche. On est dimanche et bien sûr, il y a les gosses. Et bien sûr, c'est le bazar. Comme d'habitude. Voilà, là, on va mettre un œillet en forme de fleur jaune. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça c'est fait. J'ai mis un œillet comme ceci. Aujourd'hui, il fait très beau. Je ne sais pas chez vous, mais nous, il fait vraiment super beau. En plus, ensuite, j'ai pris ces die cuts. Bon, je les mets à l'envers. De cette marque. Et même que le papier. Hein. Et je vais venir coller donc ce petit panier avec un poussin à l'intérieur. On va coller ce petit die cut. Bon, ça va être encore un truc hyper simple, hein, comme d'habitude. De toute façon, moi, je ne sais pas faire compliqué. J'aime bien faire simple. Voilà. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle. On va le coller ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit lapin que je vais venir mettre en 3D. Ben non, mais ça c'est vide. Donc, bon, tant pis. On va prendre celui-ci. J'en ai pas d'autres. Je vais en chercher après. Donc, on va se débrouiller avec ça. Hop. Je ne sais pas où le mettre. Il est trop grand. Est-ce qu'ici il passe?
Oui. Voilà. Allez, ce sera bon. On va coller donc ce petit lapin. Voilà. Ici. Ensuite, j'ai pris des œufs, toujours des mêmes die-cut. Donc, on va le mettre à plat. Hop. Un gros œuf. Et ensuite, on va mettre le petit œuf. Le petit œuf en 3D. Voilà. Un peu grand. On va enlever un petit bout. Ben là, j'ai trop. Ça va, Elle s'éclate toute seule. Voilà. Hop. Et hop. On va mettre le petit œuf. Oui, le petit œuf, pas le petit œuf. En 3D. Maintenant, j'ai pris des petites fleurs qu'on m'a envoyées. Pour que je leur trouve un petit cœur. Alors là, ça se vide bien. Ce qui est bête, c'est que j'ai plus assez, je pense, pour faire quatre mêmes. Oui, j'arrive à trouver quatre. Ou alors deux et deux. Oh, je suis mal assise sur ce fauteuil. Pour faire des petits cœurs. Est-ce que ça, c'est pas trop petit? Ah, si, c'est un peu petit. C'est dommage parce que là j'en avais plein. Je suis en train de tout mélanger. Alors. Je vais le vider et je rangerai après. Alors. Ça c'est trop gros. Dommage parce que j'en avais 4. Alors j'ai deux bleus. Voilà, on peut mettre. Parce que le bleu, il y en a là, donc ça peut rappeler. Deux bleus. Et si je trouve deux jaunes, par exemple, on a un. Et on la 2. Non, c'est pas un jaune. C'est un jaune, mais c'est pas pareil. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas trouver de jaune. De violet, mais ça va pas aller. Ouais, que des violets. Oh, ça m'embête. Je voulais un jaune. Oh ben, attendez, c'est quoi ça? C'est pas ça. Oh ben, on a des petits strass orange. Là, je pense qu'on va prendre ça. Est-ce que c'est les mêmes? C'est les mêmes, allez. Parce que j'ai pas d'autres jaunes. Hein. Ça, c'est un... Non, c'est un cœur. Bon, allez, on va faire ça. La poubelle est trop loin. On va faire comme ça. Je rangerai ça après. C'est bordel. Voilà. Donc, j'ai pris un petit nœud. Ici, je vais coller là. Sur le lance du panier. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes petites fleurs. Donc, on va coller ici le orange.
Ça fait un peu gros. Mais bon. Tant pis. Maintenant, c'est mis. Tant pis. On va mettre la deuxième ici. Voilà, on va coller, on va attendre ça sèche un petit peu. On va mettre pareil dans les fleurs orange, on va mettre les petites strass bleues, enfin les demi-perles quoi. Hop. Voilà, hop là. Ensuite, nous allons coller des papillons. Donc, hop. J'ai vu le tag de Sophie, le tag du printemps. Très, très joli, magnifique. Voilà. Maintenant, on va coller nos petites fleurs. Hop là, super. On recommence. Hop. J'arrive à les attraper, c'est pas facile. Une petite fleur. Une deuxième. Une troisième. Je tiens rien dans les mains. Une quatrième. Et maintenant, on va prendre le mot joyeuse Pâque qu'on va venir coller. Alors, il doit être là-dedans, hein, je l'ai vu. Maintenant, il faut le trouver. Printemps, printemps, printemps. Piester, je veux joyeuse Pâque. Oh, je l'ai vu, hein, il est dedans. Il va falloir que je le trouve. Ça, c'est une autre paire de manches, comme dirait l'autre. Oh, j'ai pas envie de mettre sur pause. Il est où? Je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais bon, il y en a tellement que. Bien sûr, je l'ai vu. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert le truc. Et là, que j'en ai besoin. Eh bien, je vais pas le trouver. Au fil des pages. J'ai pas envie de tout vider quand même. Je ne vais pas tout vider. Bon, si je trouve pas, je prendrai à piester. Mais bon, je suis un peu saoulée parce que je voulais joyeuse Pâque. Et que je sais que je l'ai quelque part. Là-dedans. Et que voilà. Ah, le v'là. Alléluia. Voilà. Joyeuse Pâque. Il est un peu grand. Mais on va... je ne sais pas. Ou alors on le sépare en deux. Il est un peu grand et un peu blanc.
Est-ce que je le sépare en deux ou je le mets en entier? Si je le coupe, après je vais regretter, mais bon. Allez, on va le mettre en deux. Joyeuse et Pâques. Voilà. Et ce sera terminé pour ce petit. Non, ce ne sera pas terminé. Il me reste encore quelque chose à mettre. Joyeuse Pâques. Et on va prendre. Un petit morceau comme ceci. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre ça? C'est quoi les dessins dessus? Je sais pas. Est-ce que ça va avec? Non. Oh bah tiens, on va prendre celui-là. Hop. Un grand et un petit. Hop. Oula, est-ce que ça va passer dans mon œillet? C'est ça, je suis bête, j'ai pas fait attention. Alors, je veux que ça passe, donc je vais faire que ça passe. Voilà, j'ai décidé que ça devait passer. Je sais pas. Oh, putain. Ouais, ça va pas passer. Ça ne va pas. Décidément. Rien ne va. Je crois que mon ruban. Oh, c'est dommage. Ça va pas passer. Bon, ben, je vais mettre lequel? Ben, je vais mettre le jaune. Tant pis. Tant pis. Je suis saoulée. Je crois que même un seul, ça va pas passer. C'est le fait qu'il soit... Hop là. Mettre un petit peu de colle ici. Allez. Écoutez. Ouais, c'est pas facile avec ce ruban en fait. J'aurais dû choisir autre chose. Mais bon. Il est là maintenant. Je ne vais pas l'enlever. Hop. Et ce papillon ne veut pas tenir. Voilà. Allez. Bah écoutez. Ce sera bon pour ce petit tag de Pâques. Il y a beaucoup de choses dessus. Mais bon, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.